Find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex. I ain't into making love, so come give me a hug. Get in there, get in the room. Salut à tous, donc c'est ZBS Gamer pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera un peu spéciale, donc j'ai envie de dire. Sera consacrée donc aux questions que l'on m'a posées, que ce soit par Facebook, par phone, etc. etc. Donc on va commencer donc tout de suite avec les questions donc pas anonymes right now. Donc alors, question de Anthony, hein, donc si tu te reconnais, ben... donc Anthony, alors il m'a posé comme question, qui aimerais-tu voir champion de la WWE World Heavyweight Champion après Brock Lesnar? Alors, pour te répondre clairement, j'ai fait un top 3. Donc le top 3, ça c'est génial, non, donc en top 3, il y a, alors en premier, j'aurais bien aimé voir Roman Reigns, hein, donc vu les rumeurs et ce qui risque de se passer dans les prochains mois à venir, ça risque d'être énorme ce soir quand ça laisse marrer Roman Reigns. Donc après, en deuxième position, Dean Ambrose. Donc en ce moment il est donc en rivalité donc avec le Mr. Money in the Bank Seth Rollins. Et du coup pourquoi pas avoir l'occasion donc de se mesurer à ça une fois, genre en match féminin ou comme ça. Ça serait du feu. Et donc le troisième, c'était Daniel Bryan. Non, mais il y a quelques mois de ça, ils avaient parlé d'une récupération que Bryan allait récupérer son titre. Malheureusement, je ne sais pas quand. Ça pourrait être après WrestleMania 31. Ça reste à voir aussi. Donc alors, toujours avec Anthony, il m'a posé encore une autre question, donc quel Hall of Famer aimerais-tu voir revenir pour un dernier match? Donc, ça fait 4 ans que j'ai regardé le catch, enfin, ça fait 4 ans que j'ai regardé le match, après WrestleMania 27, ouais, 27, regardez. Ouais, 27. Je vais vous faire un top 4, enfin de un chaque année que j'aimerais bien voir revenir. Donc alors, introduit en 2014, j'aimerais bien voir revenir pendant un match. Alors, c'est pas trop très hésitant, j'hésite entre Razor Ramon et Jack the Snake Roberts. Et j'ai tranché donc sur Ramon. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que j'ai en fait jamais vu catcher, j'aimerais bien voir en direct de voir catcher ou avoir Sublimia ou un autre pay-per-view de ce genre. Après, en 2013, j'aimerais bien revoir un match de Legend of Hardcore, Mick Foley. Donc, alors Mick Foley, plus connu sous 4 ou apparition, donc Captain Jack, Dude Love et Mankind. Ouais, j'aimerais bien le voir aussi pour un pay-per-view aussi. Pourquoi pas en Mankind. Après, en 2012, j'aimerais bien voir John Simmons. Donc, aussi connu avec en équipe en APA, hein, donc John Simmons et GBS. Voilà, pareil. Et en 2011, donc lors du WrestleMania 27, j'aimerais bien. Merde.
J'aimerais bien revoir faire un dernier match du Harper Kid, Shawn Michaels, même si je pense que cela n'y arrivera jamais à cause de sa blessure à l'œil, comme on avait dit en 2016 ou un truc comme ça. Alors maintenant, c'est le Open, si j'avais dire. Donc il m'a demandé quel est mon catcheur préféré et mon show ou pay-per-view. Donc alors mon catcheur préféré, alors dès que j'ai commencé le catcheur en 2011, c'était Sin Cara. Et maintenant du coup, après en milieu 2012, on va dire comme ça, j'ai beaucoup apprécié le catcheur. Kofi Kingston, donc voilà, donc mon coach préféré, donc maintenant la WWE, c'est Kofi Kingston. Et alors mon show ou pay-per-view, alors en show, Raw et en pay-per-view, c'est les quatre plus importants, quoi, le Royal Rumble, déjà pour le Royal Rumble match. WrestleMania, c'est The Big. Voilà, c'est WrestleMania, quoi. SummerSlam, donc, pour le biggest blockbuster of the summer. Et le Survivor Series, donc, pour les matchs traditionnels à 55. Voilà, donc, c'est les quatre là. Alors, donc maintenant, c'est au tour de Mayron. Donc, il m'a, enfin, c'est un défi et une question en même temps. Est-ce que tu serais capable de sauter dans le lac de Creux? Moi, j'aurais dit que j'avais autre chose, enfin, je peux faire autre chose si tu as envie, mais bon. Voilà. Donc maintenant autour de Lucas. quel est ton rappeur préféré? Alors mon rappeur préféré, donc si vous voulez, je peux mettre de côté Booba et Kaaris, donc ça c'est clair et net. Et en préféré, alors avant c'était Mysterio, maintenant je sais pas ce qu'il fait là, il parle littéralement que non, Mysterio, Lacrim, surtout Lacrim, et Niro, mais vite fait, quoi. Alors, maintenant, à Chachou. Alors, elle m'a posé comme question. En culasse ou non en culasse? That is the question. Donc, alors, en culasse ou non en culasse? Alors, moi, je préférais être en culasse. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oh, Brian, it's... Attends, ton tour. Non, alors, il m'a lâché comme question. Comment as-tu trouvé le jeu, j'en parlais récemment, Watch Dog, donc sur PlayStation 4. Alors, Watch Dog, je l'ai essayé une fois. Donc, j'avais le droit de jouer à Need for Speed, Watch Dog et comment il s'appelle? The Last of Us. Et donc le jeu où j'ai le plus joué, c'était Watch Dog. Il est vraiment bien. Je le conseille à beaucoup de gens. Vraiment, il est super hein, comme jeu. C'est pratiquement comme un GTA, sauf que c'est pas GTA. Non, voilà. Alors, donc toujours Brian, quel est le jeu que tu as le plus détesté? Alors, détesté, vraiment, qui m'a carrément fait chier. Hein. C'était WWF Raw et Soir. Alors, c'était sur Nintendo 64, parce que je sache. De 1, t'avais pas beaucoup de catcheurs. De 2, t'avais pas beaucoup d'arènes. De 3, t'avais pas beaucoup de prises. Voilà en quoi ça se résume le jeu. Après, vous pouvez jouer. Voilà, mais moi c'est ce que j'ai pensé, quoi.
Alors, question de Maxime, d'où t'es venue l'idée de faire des vidéos sur le catch de Catch the Worldling? Alors, beaucoup de youtubeurs, hein, donc j'ai vu beaucoup de youtubeurs faire des vidéos sur le catch, etc. Donc j'ai voulu m'y mettre moi aussi, et même je trouve que YouTube et le catch, ça va bien encore, je trouve. Alors, Crazy Neko m'a posé une question, donc. Comptes-tu faire d'autres projets au fil du temps si ta chaîne évolue bien? Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. Alors, pour te répondre à ma question, aucune idée. Ben moi, à la base, je trouve que mon catch, ça va surtout très bien, surtout mon nouveau projet que j'ai fait, le WWE Back to the Past. Donc voilà, j'en ai aucune idée, je verrai ça plus tard. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Alors maintenant, question de Manu. Comment t'es venue la passion du cash? Remémorez-nous. Remémorez-nous. Alors, remémorez-nous. Alors, comment on dit? Remémoration. Donc, remémorationnez-nous. Non, ben, en vrai, tout a commencé en 2011. Enfin, même un peu avant, quoi. Je voyais que l'un des personnes regardait le catch, donc voilà quoi, c'était ça en fait. Et puis un jour, je zappais sur les chaînes quoi, vu que ANT1 ça passait à 20h45, je crois, ou un peu plus tard. Du coup, j'ai zappé, hop, ANT1, qu'est-ce que je voyais, le catch. Donc je me suis dit, allez hop, on va regarder vite le catch pour voir comment ça. Comment que c'est quoi, et puis voilà, c'est devenu une de mes passions aujourd'hui, et d'ailleurs, je risque peut-être d'en faire en club, quoi, en école de catch, quoi. Alors, question maintenant de Valentin. Quels sont tes objectifs principaux pour ta chaîne? Alors, pour ma chaîne, je n'ai pas vraiment d'objectif. Ouais, non, je n'ai pas d'objectif principal, quoi. Moi, tant que je fais mes vidéos pour le plaisir des gens, c'est. Voilà, bon, moi je m'en tape des abonnés si j'ai un abonné, voire 100, voire 1000, etc. Peu importe, quoi. Tant que je fais plaisir aux gens avec mes vidéos et tout, c'est le principal. Alors, question de Quentin. Ok, question, Quentin, Quentin, question. Alors, pourquoi veux-tu faire des vidéos? Ben, ça revient à peu près à la même chose que Valentin, quoi. Pour le plaisir des gens, surtout. Alors, maintenant, question de Coralie. C'est quoi la plus grosse bêtise que tu as fait? Je n'en ai plus aucune idée, en fait. C'est ça le truc. Je n'ai aucune idée. Même les bonnes actions que j'ai faites, je ne me rappelle plus. Moi, j'en ai aucune idée. Alors, maintenant, question de Jonathan. Alors, ça fait. Comment que je pourrais le faire? Vais-tu m'épouser, mon Didi? Alors. Oui, quand tu veux, mon petit Jonathan. Hein, je t'attends. Tu sais, on peut faire un. On peut faire notre mariage n'importe où. Voilà quoi. Alors, question de Nesrine. Elle m'a posé comme question, je te manque. C'est trop mignon. Non, pas du tout en fait. Non, je rigole. Non, vraiment. La première fois qu'on s'est vu, on s'est tapé des bons délires. Hein, même si moi je ne parlais pas beaucoup. Toi, t'avais la solution hein, pour parler et tout ça. Donc. Quand même, ouais. Donc maintenant, on va passer donc aux questions anonymes. Oui, on fait l'appel. Alors, tu as quel âge? Donc, alors, je ne sais pas. Non, j'ai 16 ans et j'en aurai 17 en février. Voilà, vous savez un peu plus donc sur ma vie, c'est génial. Alors, depuis quand as-tu du diabète? Donc, du diabète, ceux qui ne savent pas, c'est une maladie reliée au pancréas et au sucre surtout. Donc,
Alors, j'ai commencé à avoir du diabète en 2012, fin 2000, attendez. Ouais, fin 2012. Pour ceux qui ne savent pas, je vous laisse le lien de ma vidéo que j'avais faite, donc sur une chanson que j'avais fait créer sur le diabète. Juste en dessous là. Hein? Là, en dessous, là. Voilà. Donc maintenant, pourquoi l'estime est du maquillage? Laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu me poses des questions bizarres? Non, pourquoi l'estime est du maquillage? Alors ça, j'en ai aucune idée. Vraiment, pour moi, le maquillage, ça sert littéralement à rien. S'il y a une chose, ruiner leur apparence physique normale, je veux dire, genre, tac, comme ça, tu te lèves, tac, enfin, à part tout, quoi, bien sûr, tu fais tes cheveux et tout ça, tu sais. Mais genre, à part le maquillage, genre, la lèvre et tout ça sert à rien, littéralement, ça te ruine ton apparence physique normale, quoi, sans maquillage. De la merde, quoi, littéralement. Alors, donc, question. Donc, ça fait. Est-ce que. Alors, ah ouais, trois questions quand même. Est-ce que t'es en couple? Non, je ne suis pas en couple. Si oui, depuis combien de temps? Non, je suis pas en couple. Célibataire depuis un mois. Ça va faire un mois bientôt. Et s'il y a une meuf que j'aime, si alors j'aime. Oui, j'aime une fille, quoi, mais bon, je vais pas le dire parce que je suis timide en fait. Question. Donc, écoutez au moins ça. Est-ce que t'aimes les veaux en plastique qui ont été fabriqués en Tanzanie avec du plastique recyclé? Tu parles de quel vent plastique en fait? Parce que en fait, je vois pas très bien quoi. Ça le délire. Après, si c'est recyclé, tant mieux, tu vois, parce que si c'est recyclé, c'est bien pour la nature, c'est bien pour nous, c'est bien pour tout le monde, quoi. On est content, on est heureux. Alors ça, je n'ai aucune idée de ce que tu veux parler, c'est ça le truc, tu vois. T'en penses quoi, Christine? Elle est d'accord à ce que je vois.